Bon, on va où là? Tu sais, qui ce qui compte dans la vie, c'est pas la destination. C'est le chemin. De quoi? Je sais pas. Mon père disait toujours ça, mais j'ai jamais compris. Bon, c'est pas grave, on est bientôt arrivé. Mais pourquoi je dois crapahuter avec toi? On pouvait pas juste se poser, tu me donnes toutes les informations? Non, mais t'inquiète, j'ai trouvé une planque parfaite, on va pouvoir les espionner en toute discrétion. Comment ça, les espionner? Chut, t'es qui? Si tu continues à gueuler comme ça, ils vont nous repérer. Allez, viens. C'est quoi ça? Bah c'est un mur. Ah mais qu'est-ce qu'on fait devant? Mais c'est notre planque. Ah mais c'est pas une planque ça. Chut, tais-toi, ils sont juste derrière. Allez, fais-moi la courte échelle. De quoi? Discute pas, j'ai dit fais-moi la courte échelle. Ça va, je vois les méchants. On a une belle brochette de président. Agenti, Glacier La Bolas, Buer et Marbas. De quoi? Mais s'ils nous chopent, on est mort! Non, t'inquiète. Oh, la classe! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est vrai qu'il fait ça. Agenti, il change l'eau en vin. Oh, il est en train de payer sa tournée. L'eau en vin? Comme Jésus? Ouais, exactement! Ils ont pris des cours ensemble. Mais il ne sait pas faire que ça. Il peut aussi transformer les métaux en or. Ah ouais, stylé! Enfin, quand il l'apprend aux humains, ils deviennent jaloux et stériles. Ouf, jaloux, je le suis déjà et je compte pas avoir d'enfant. Hein? Hein? Et sinon, il ressemble à quoi? C'est un taureau avec des ailes de griffon. Comme la marque taureau ailée? Ouais, exactement! Bon, passons aux deux salauds de l'année. Les deux salauds de l'année? Ouais, Buer et Marbas. Les deux ont le pouvoir de guérir et de répandre toutes les maladies du monde. C'est eux qui ont créé le Covid. Oh, les salauds! Tu vois, je te l'avais dit. Bon, pour leur apparence, les deux sont des lions. Mais Marbas est un lion normal. Alors que Buer, c'est juste une tête de lion avec cinq pattes de chèvre autour. Quoi? Mais ça n'a pas de sens! Ouais, et le plus drôle, c'est qu'il enseigne la logique, avec la philosophie, et il donne de bons familiers. Enfin, d'après lui. C'est pas le cas? Ben, une fois, il a confié un familier hérisson, et le mec est tombé dessus. La tête la première? Le cul en premier. Oui. C'est ce qu'il a dit. Bon, Marbas, ce n'est pas n'importe quel président. C'est celui de l'ingénierie mécanique. Il enseigne tout cet art aux humains, et il a comme moi le pouvoir de les métamorphoser. Si j'avais le pouvoir de me métamorphoser, je pourrais en mater de la gonzesse. Bon, le dernier, le pire de tous, Glacier La Bolas, le président des assassins. Pourquoi c'est le pire de tous? Il a un nom imprononçable. Entre Caracrinolas, Cassimolar, Glacier La Bolas, personne ne sait vraiment le prononcer. Et il te défonce quand tu le prononces mal. C'est pas pour rien que c'est devenu le président des assassins. Et ça consiste en quoi? Il rend les humains experts en assassinat. Il leur donne la capacité de tuer toujours plus. Il a le pouvoir de les rendre invisibles, pour qu'ils puissent tuer encore plus facilement. Et je te ne dis pas le nombre de massacres dont il est à l'origine. Ok. Tiens, j'avais oublié. Agenti commande 33 légions, Buer 50, et Marbas et Glaciatruc en commandent 36 chacun. Ok. Mais je me posais une question. Comment tu sais que c'est bien eux et pas juste du bétail des enfers? Bah, ils ont une apparence humaine, là. Mais du coup, comment tu connais leur apparence démoniaque? Mais tout le monde la connaît, ici. Ça va, on vous dérange pas. On peut savoir ce que vous foutez ici? Rien, il y avait une belle vue. T'inquiète, je connais une technique secrète. Laquelle? La fuite! Oh!
Forcas ? Vous croyez que c'est cette façon qu'on va gagner la guerre ? Je vais vous apprendre à courir la queue entre les pattes. On est mal. Bande de merde.